Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur Mana Shania, c'est moi-même en personne, en chair et en os, voilà. Aujourd'hui, on va parler de la méchanceté. On va parler de la méchanceté, de la maltraitance. La méchanceté, c'est dans le cœur, ça vient du cœur. Quand une personne est méchante, c'est que cette personne-là a un mauvais cœur. Il n'y a pas d'autre explication à donner à ça. Il n'y a pas, j'ai pas mille choses à dire pour ça. La méchanceté, c'est quand tu traites mal quelqu'un. Quand tu rends toujours le mal par le mal, c'est la méchanceté. La méchanceté, c'est quand tu n'as pas de compassion pour les gens. La méchanceté, c'est quand tu es noir dans ton cœur. C'est ça la méchanceté. Il y a une vidéo qui circule en ce moment. Je n'ai pas terminé cette vidéo-là. Moi, je ne regarde pas les choses comme ça. Là, qui, voilà. Juste, j'ai commencé à voir la vidéo quand j'ai compris ce qui se passait, puisque c'est venu avec un message écrit. Et puis après, c'était suivi de la vidéo. Mais vraiment, j'ai dit non, il y a des gens qui sont méchantes. Il y a des personnes qui sont méchantes. Une femme enceinte qu'on est en train de frapper, taper, bastonner. Pourquoi? Parce qu'elle a volé. À moins qu'il y a autre chose derrière que moi, je ne sais pas. Hein, parce que des fois, on nous envoie des images, une vidéo et puis chacun... Non, mais si c'est vraiment réellement ça. Taper une femme enceinte. Enfin, en même temps, peu importe ce qu'elle a fait, peu importe l'acte qu'elle a commise, une femme enceinte, tu tapes une femme enceinte, tu es mauvais, tu es méchant. Pire encore, il y avait des femmes qui étaient dans le groupe qui tapaient une femme enceinte. Toi, la femme, tu connais la souffrance de la grossesse. Tu connais la souffrance de l'enfantement. Ou encore, je dis que c'est la méchanceté. Pourquoi encore je dis que c'est la méchanceté? La femme est enceinte. Elle porte un être innocent, inoffensif, qui n'a pour lui rien à voir avec ce qui s'est passé. Les coups que vous portez sur la femme, l'enfant... dans son ventre le ressent, le bébé le ressent, les agressions, l'agression verbale que la femme est en train d'écouter, le bébé est en train d'écouter ça. Enfin, je ne sais pas comment je vais expliquer. C'est un canal entre la mère et le bébé, c'est relié, qui ne sait pas ça. Une femme enceinte, vous la tapez. Je ne sais pas moi, prenez-la, mettez-la même en prison, mettez-la quelque part. Pourquoi tu as fait ça? Non, peut-être qu'elle a volé à manger, elle avait faim, peut-être qu'elle a volé pour une couche, peut-être qu'elle a volé pour un vêtement pour enfant, son enfant va naître avec rien, peut-être qu'elle a volé même un médicament, un doliprane, mal de tête. Non, tout le monde s'est acharné sur cette femme pour la taper. C'est la méchanceté. Je ne dis pas qu'elle, j'ai raison, que je participe ou je suis d'accord avec l'idée de vol, mais l'acte de taper une femme enceinte. Si elle n'était pas enceinte encore, j'allais dire, bon, bref, on allait dire, elle n'a que ce qu'elle mérite. Mais une femme enceinte, toi qui as tapé la femme enceinte là, si tu es un homme, ta mère t'a porté dans son ventre. Toi, tu es une femme, tu tapes une femme, vous tabassez une femme enceinte, elle peut mourir, le bébé meurt. Vous tapez une femme enceinte, le bébé dans le ventre ressent ses coups, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. La méchanceté, c'est quoi quand tu fais du mal à quelqu'un, quand tu traites mal quelqu'un? Ça peut être ton père, ta mère, ton mari, ton enfant, ou même les enfants de quelqu'un d'autre, les enfants de ton mari, les enfants de ta femme. Comme une autre vidéo qu'on a fait circuler, un enfant qui était brûlé. Pourquoi? Parce que sa belle-mère lui a renversé de l'eau. Mais c'est la méchanceté. Vous voulez donner quelle raison à ça? Parce qu'il a mangé, il ne fallait pas manger. Tu le punis. Tu punis l'enfant, tu le grondes, tu mets une fessée s'il le faut. Mais jusqu'à brûler avec de l'eau chaude. Ça, c'est la sorcellerie ou c'est quoi, hein? Mais avant que la sorcellerie n'arrive, il faut que d'abord tu aies un mauvais cœur. La sorcellerie ne peut pas rentrer dans ton cœur si tu n'as pas un mauvais cœur. Si tu n'as pas un mauvais cœur, tu ne peux pas être sorcière. Parce que la sorcellerie commence par le cœur. C'est comme la prière, on dit que la prière, c'est le cœur. Pourquoi? Parce que tout part du cœur. C'est la méchanceté. Tu prends un enfant, tu as eu le temps de faire bouillir l'eau et puis renverser sur l'enfant, ou tu as eu le temps d'aller prendre la casserole. Pendant que tu prends la casserole sur l'eau, que tu es en train de venir, ton esprit n'est pas en train de raisonner que là, je suis en train de commettre quel genre d'acte. Hum? Ah non, c'est la méchanceté. Hum? Ça,
c'est la maltraitance. Tu vas prendre un enfant, tu vas renverser de l'eau. Ou tu vas prendre un enfant, tu vas le frapper jusqu'à qu'il ait des blessures, des bleus, des machins. Comme non, mais il y a tellement d'exemples de méchanceté. C'est incroyable. C'est incroyable comment l'être humain peut être méchant. Le pire, c'est que c'est souvent africain, entre africains. Cette femme-là, c'est des Africains qui l'a tapé. Si c'était un blanc qui avait fait ça, on allait dire c'est un raciste. Regardez ce qu'il fait. Il a tapé noir, il a fait ci. Là, c'est noir même qui tape noir. Une femme enceinte. Là, l'enfant de ton mari, l'enfant de ta femme que tu maltraites comme ça. Mais tu as aimé le chien, tu dois aimer ses puces. Le chien a des puces. Le chien a des punaises. Le chien a des tics. Le chien a des poils. Le chien a les odeurs. Donc, c'est comme quand tu aimes un homme. S'il a des enfants, tu vas aimer et supporter avec tout ça. Tu vas aimer une femme qui a des enfants, tu vas l'aimer et accepter avec tout ça. Mais c'est ça. Mais tout part d'abord du cœur. C'est la méchanceté. La méchanceté, c'est ça. Mais vous savez, de la même manière, comme j'ai fait la vidéo en disant de semer et faire le bien, parce qu'un jour, on va le récolter. Mon très cher, ma très chère, la règle est de même pour le mal. Tu fais le mal, tu fais le mal. Un jour, c'est toi qui vas subir. En fait, les personnes qui font le mal se tuent elles-mêmes à petit feu. Elles sont en train de se tuer elles-mêmes à petit feu. Jusqu'au jour où l'arme que tu pointes sur les gens là, ça va se retourner sur toi-même. Sur toi-même, tu vas rien comprendre. Sur toi-même, tu ne peux pas, on ne peut pas se comporter comme ça. Moi, la vidéo là m'a choquée. Je ne l'ai pas finie. J'ai même envoyé la vidéo, le message à la personne qui m'a envoyé. J'ai dit, s'il te plaît. Il ne faut plus m'envoyer ce genre de message. Pardon, je ne veux pas participer à la méchanceté. Je ne veux pas... Ça, c'est comme une forme de participation. Quand on vous envoie des choses que vous regardez, c'est participer. Hein? C'est participer. Et puis après, vous prenez ces vidéos-là, vous partagez. Au lieu de partager des vidéos qui instruisent, comme les vidéos de Manachana qui instruisent, qui vous disent des choses qui peuvent faire prendre conscience, vous n'allez pas partager. Les conneries, les bêtises, les méchancetés, vous partagez. La maltraitance, vous partagez. C'est pas possible. Tu tapes une femme enceinte, une femme qui est enceinte, tu es en train de taper une femme enceinte. C'est la maltraitance. C'est la maltraitance. Ça, c'est maltraiter. Hein? Non, il faut changer ça. Fais le mal, un jour on te fera le mal et ça va te finir, ça va te terminer. Ça va te terminer. Faites attention à vos actes. Faites attention à vos actes. La vie ne s'achève pas ici. Après cette vie, nous avons la mort. Après la mort, il y a une autre vie. Chacun prépare sa vie après la mort. Et la méchanceté que vous faites là, un jour, vous allez payer ça. L'univers note tout. Le ciel note. Il y a des oreilles qui sont là, qui vous écoutent. Des yeux qui sont là, qui vous voient. Qui enregistrent tout le mal que vous faites. Vous tapez une femme enceinte. Une femme enceinte, vous tabassez. Et vous êtes content. Et vous filmez. Et même toi qui as filmé ça, tu es aussi une personne méchante. Tu es une personne méchante, toi qui as filmé ça. Parce que le fait d'avoir filmé, alors d'aller prendre cette femme, de la sauver, tu es en train de filmer. Tu es en train de filmer. C'est que tu participes à cette méchanceté-là. C'est que tu es aussi une personne méchante. C'est vraiment très méchant. C'est pas gentil. C'est de la maltraitance. C'est pas bien. Il faut, même si la personne, elle a volé, c'est à partir du moment où elle était enceinte, vous aurez pu être moins, je sais pas moi, moins mauvais que ça. Voilà. Moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué et c'est africain entre africains. C'est toujours africain qui fait du mal à africain. C'est toujours africain qui machin africain. C'est toujours comme ça. Par contre, si c'était un blanc, ouh là là, là ça allait être grave. Les gens allaient en parler. Les gens allaient partager la vidéo là. Regardez le blanc, il a tapé noir, nanana. Je suis désolée. Moi ça m'a choqué, ça m'a révolté. Mais je vous aime. À très bientôt. C'était Manachania. Continuez à me suivre dans les vidéos. Elles sont très intéressantes. Et merci pour les encouragements. À tous vos beaux messages. À très bientôt. Au revoir. C'était Manachania. Ciao, ciao.